Rebienvenue, ici Ismaël KX, on continue, formation Safe 5.x, 5.0. On a récemment parlé, pour la fameuse récap, de la troisième étape, ou qui fait partie des fameuses core compétences, là, qui est dans les sept core compétences de Safe, construire une équipe avec des compétences et une agilité très technique. Ensuite, comment on fait pour construire et livrer des produits? Et il y a la vie en day-to-day entre l'événement du PI planning dont on a parlé dans la leçon précédente. Et aujourd'hui, là, pour cette leçon, en fait, on va parler de la vie en day-to-day, c'est-à-dire développer dans le rythme, dans la cadence, et pouvoir livrer, pouvoir sortir quelque chose quasiment à tout moment. Donc, allez, je fais ça. Presentation. C'était ça. Establishing team and technical agility. Comment on fabrique on construit une équipe, sur quoi on se base. Tout ça, c'est dans les core compétences. Ensuite, on a parlé de comment on construit une solution avec le delivery agile. Et là, on a parlé donc dans la leçon précédente de comment réussir un PI planning. Et maintenant, on a fini un PI planning, on a livré le product board, on a livré les objectifs, on a rassemblé, synthétisé tout ça, et tout le monde voit ça. Et dans la vie de tous les jours, qui en fait prend le plus de temps, hein, parce que le PI planning, il y a une longue préparation, c'est sûr, ça dure 2 heures, 2 jours, ok. Construire une équipe, allez, on construit une équipe au début, après il y a très très peu de travail, c'est très résiduel, et pour un peu de maintenance. Mais ce qui est le plus important, en fait, c'est l'application de ces fameux principes sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps. À l'application des principes et le maintien des valeurs et pour pouvoir avancer sereinement. Parce que oui, on s'est lancé, oui, on a planifié, mais on passe plus de temps, c'est-à-dire c'est 8 semaines, souvent 10 semaines, dans ce que j'appelle la réalité de l'agile à l'échelle. La réalité de Safe, c'est 8 semaines. Et ensuite, les autres événements, en tout et pour tout, si on les cumule, je crois que ça c'est 2 semaines, maximum 3. Et donc, c'est l'écrasante majorité de temps passé à faire un certain travail, c'est ce qui gagne en définitive. Et donc, c'est ça qu'on va voir là maintenant. Ici, regardez bien. Développe une cadence et regardez, vous allez savoir à quoi ça ressemble, voir à quoi ça ressemble. Dans les leçons précédentes, on avait parlé de customer centric, développement centrique, et on avait parlé de cadence. Là, c'est release on demand. Regardez bien tous ces points-là. Ces points ressemblent à quelque chose de précis. Entre tout ce que vous voyez au milieu là, je change de couleur. Ce que vous voyez au milieu, en fait, c'est les sprints, les itérations. C'est ça qui se passe ici. C'est 2 semaines, c'est 2 semaines. Et là, les paquets que vous voyez là, bah, c'est ce qu'on livre, en fait, que ce soit des patchs, des fonctionnalités nouvelles, des éléments de sécurité, c'est ça qu'on livre. Et tout ça, vous voyez que ça suit bien une cadence. En vérité, dans la configuration safe, voici là où on se trouve. On avait parlé de l'une de ces core compétences là, qui est technical agility. Et product delivery, là maintenant, on est maintenant dans la release. Donc, dans la release, vous avez vu les fameux points là, ils ressemblent étrangement à ça. Et les paquets qu'on avait vus, bah, c'est ceux-là. Ça, c'est pour la release. On reste toujours dans cette même configuration. J'ai dit, toujours la roadmap de la personne qui pratique safe, qui veut comprendre safe, apprendre safe, tout est dans cette mine d'or. Il y a tout dedans. Donc, on continue de parler de la vie de tous les jours, les stories, les futures, les enablers, les systèmes démo. Bien, voici à quoi ressemblent la vie et les événements dans un Agile Train Release. Allez, on appelle ça un train. Il y a des événements. Et les événements, vous voyez, le cercle à l'extérieur, cette double bande, imaginez ça comme des rails, ça là, ce sont les éléments qui concernent le train, c'est-à-dire l'ensemble des, disons, 125 personnes, c'est un peu moins ou plus. Les 125 personnes. Mais chaque équipe a elle-même, on est dans du Scrum à peu près classique, a des événements. Une équipe Scrum a un daily, elle a une démo qu'on appelle la revue, elle a le refinement là, et elle a la rétrospective, et elle a le fameux sprint planning, bah, ici on l'appelle iteration planning. Mais notre train en lui-même, il a. Notre train en lui-même, il a plusieurs événements.
Parmi ces événements, il y a deux cérémonies qui sont importantes. C'est le Scrum of Scrum. En fait, le Scrum of Scrum, son nom dit tout. Il y a le PO Sync, la synchronisation des PO. Et ensuite, il y a le système des mots, il y a la préparation du PI Planning, il y a Inspect et Adapt. On va rentrer en détail dans ça. Donc, voici d'abord la première synchronisation. Ce sont les PO d'un côté et les Scrum Master d'un côté. Si le train n'est pas très très grand, imaginez qu'il y ait 50 personnes ou 60 personnes. À ce moment-là, on voit que s'il y a 50 personnes, c'est souvent, il doit y avoir 6, 7 ou 8 équipes. En tout, ça doit faire 2 par équipe. Dans 8, ça fait 16. On peut faire une réunion à 16, ça se gère. Au-delà, ça devient compliqué. Il faut séparer les Scrum Master d'un côté et les PO d'un autre. Tout ça, bien entendu, chapeauté par le RTE, le Release Train Engineer. Donc, voici ce qui se passe. Dans le Scrum of Scrum, c'est facilité par le RTE, comme je disais, et ils se voient ensemble. Ça dure à peu près, entre une demi-heure et une heure. C'est à peu près une fois par semaine. Dans certains cas critiques, ça peut être 2 fois par semaine. Et ça se passe comme un événement classique dans Scrum. C'est juste que c'est à un autre niveau, c'est tout. On parle obstacles, on parle progrès, on soulève des problèmes. Les PO de leur côté ont la même chose. Et ça, ça va se faire avec soit une personne du programme management là, ou du product management, ou le RTE, ça marche aussi très très bien. Donc ils vont faire quelque chose qui ressemble à ça, ils vont travailler juste sur des aspects qui sont différents. Un PO vient pas parler d'un serveur qui est tombé, non, un PO vient parler de features, il vient parler d'un aspect design, un tout petit peu d'aspect business, un tout petit peu. C'est rare, mais bon, il peut en parler quand même. Après, il y a le fameux, il y a les démos qu'on appelle système démo. Donc, dans Safe, vous savez que un de ses principes, c'est on va baser les milestones sur la démonstration de systèmes fonctionnels ensemble qu'on peut utiliser. C'est pour ça qu'on parle de système démo où on intègre les éléments et on fait une démo. C'est une vraie démo. C'est un des éléments de la vie du train. Il existe néanmoins une même démo au sein des équipes. Donc, vous voyez ici, il y a la fameuse iteration review. Ça, les équipes le font en leur sein. Et donc, du niveau train, il y a toujours le système démo. Ah, et donc, le système démo, il est là et vous pouvez voir, c'est un élément qui sera organisé. Le RTE va s'en charger, c'est son job. Il est fait à différents moments et il sera fait aussi. Il y a le full système démo, on en parlera tout de suite. Maintenant, on a fini de parler de ce qui se passe au sein des équipes, dans la vie de tous les, durant les sprints, en fait, durant les itérations, ok? Et quand on finit les itérations classiques où on développe, où on avance, où on fait des démos, il y a une itération spéciale, spécifique, qui s'appelle IP. La voilà ici sur cette configuration. IP, elle est là. Vous voyez ici, c'est IP. C'est elle là. Ça dure 2 semaines. Innovation and Planning Iteration. C'est 2 semaines durant lesquelles on présente des choses, c'est vrai. On prend du temps pour finir ce qu'on n'a pas fini. On prend du temps pour corriger de la dette technique. Mais on prend du temps pour préparer le PI Planning. On prend du temps pour préparer la simulation du PI Planning. On prend du temps pour faire de l'innovation. C'est un élément hyper important, comme vous savez, dans l'agilité. L'innovation fait partie intégrante de la maison Lean. On a déjà vu ça. Dans la maison Lean, l'innovation, il y a des façons de le faire. Ça demandera de l'entreprise. Ça peut être des hackathons. Ça peut être des guest stars qu'on fait venir ailleurs pour voir notre infrastructure. Peu importe. Ça va dépendre de l'organisation et de sa réalité. Et ensuite, il y a des plannings qui sont faits aussi toujours durant ce sprint. Il est hyper important de faire le fameux IP itération. Vraiment. Il existe des organisations qui se disent « Non, mais en fait, souvent, on n'a pas besoin de faire ça. On peut cumuler et on peut cumuler ce qu'on fait dans l'IP iteration là, durant une itération classique. C'est très dangereux. Pas essayer d'économiser sur certaines choses. Ça peut se retourner contre vous. Voici un planning clair d'une itération IP. Vous voyez que les 5 premiers jours, étant donné que ça dure 2 semaines, donc on va dire la première semaine, en fait, on revoit des choses plutôt simples. Le travail qu'on n'a pas terminé de faire, la dette technique, enfin une partie de la dette technique, je veux dire, on fait des vérifications, validations, on écrit de la doc, enfin, c'est ce genre de choses qu'on fait et on vérifie est-ce qu'on a la fameuse checklist pour lancer un PI planning. Ok, ça c'est bon.
Puis, on n'oublie pas l'innovation, on prend du temps pour en faire des événements, des réunions, on y travaille, chacun note de son côté. Dans la deuxième semaine, il y a un événement qui est une vraie cérémonie qui s'appelle Innovation Continue. Ensuite, après celle-là, il y a une vraie cérémonie qui s'appelle PI Planning Readiness. C'est tous les acteurs qui sont liés au PI Planning qui vont venir. Donc, on peut convoquer le Program Management quand ils vont venir là. Ils s'assurent d'avoir déjà tout ce qu'il faut. Donc, ils ont déjà convoqué d'autres réunions où, je sais pas, ils ont déjà requis ce qu'il faut de leur PO respectif. C'est pareil pour tous les Scrum Masters et le RTE. Il faut remonter ça. Hein. Tout le monde va faire ça. Tout le monde va ramener. Et ensuite, on va faire le fameux Readiness. Il y a Continuing Education. C'est un événement précis. Donc, il y a ces événements-là. Il y a l'Inspect and Adapt. On va parler de tout ça. Et il y a quoi dedans? Quand on a fini ça durant les deux premiers jours de la deuxième semaine de la dernière itération, on va passer maintenant au fameux PI Planning. Le PI Planning, on a déjà parlé de ça. Quand on a fini, il nous reste un jour. Un jour, c'est le jour durant lequel le RTE et des parties prenantes vont agencer tout ça, nous pondre un gros programme board et nous pondre l'objectif synthétisé de tous les objectifs qui ont été remontés par les équipes. Voici comment se passe la fameuse IP Iteration. C'est ce qui se passe ou c'est ce qui doit se passer dans la théorie. Revenons là. Je vous ai dit, on va parler de cet événement-là qui est Inspect and Adapt, qui est à la veille du PI Planning. Inspect and Adapt, vous voyez, il y a trois parties majeures. Il y a trois parties majeures, c'est-à-dire c'est la grosse démo. Donc la grosse démo a été préparée d'une certaine façon. Ensuite, il y a l'ensemble des mesures qu'on va soulever. On mesure au fur et à mesure, que ce soit la vélocité, là où on a bien réussi, pas bien réussi. On va mesurer tous les objectifs qu'on a donnés, à quel point on les a réussi, et on va mettre les points que ça nous a apportés. Après, on va faire le problem solving. Ça dure à peu près toute une après-midi, généralement, et tout le monde a le droit d'y assister. C'est de la transparence. Maintenant, regardez à quoi ça ressemble. Ici, il y a la démo. Bon, ça, pas besoin de vous dire ce que c'est qu'une démo, c'est une démo. Hein. Ça a été préparé, on montre là à quel point on a avancé. Bien, souvenez-vous que chaque équipe avait donné des objectifs. On va prendre pour équipe après équipe. On dit, tiens, les cocos, vous aviez dit que, premier élément sur lequel vous êtes engagé, est-ce que vous avez fait? Oui, ça apporte, d'un point de vue business, ça apporte quoi? Vous aviez dit que c'était 7 points ou ça valait 7 points, disons comme ça, 7 points. Vous avez fini ça, 7 points, parfait. Donc, on va lister. Et à un moment, on va challenger. Là, même si vous avez terminé ou vous n'avez pas terminé, on va regarder la valeur que ça a apporté par rapport à la valeur qui est annoncée. Ou le poids que vous aviez dit, là, ça va coûter tant, ça va nous coûter 10 jours de travail ou ça va nous coûter 10 personnes, 10 ressources. Et en vrai, qu'est-ce que ça a apporté? Parce que ça peut être terminé, mais les avantages ou les retombées, ce qu'on appelle les retours, ne sont pas aussi élevés qu'on pensait. Regardez ici, par exemple, le speed up indexing by 50%. Oui, ils ont réussi le speed up, mais en fait, ça n'a pas réduit forcément par 50%, mais ils ont réussi l'objectif. Et là, ça ne donne que 5 points. À ce moment-là, on dit, OK, donc on va calculer, on va cumuler l'actuelle valeur. Voici aussi pourquoi il faut toujours avoir du uncommitted objectif au cas où vous finissez vite. Comme ils ont terminé tôt, ils ont fait d'autres choses. Et vous voyez bien que ça leur a permis de rattraper un retard. Et ce retard, ça fait qu'ils ont ici 45 points de business value actuels, réels, qui ont été accomplis, mesurés, contre 50 qu'ils avaient annoncés. C'est avec ça maintenant qu'on va faire la moyenne. On dit, les cocos, si vous aviez fait 50 points, c'était 100%. Mais là, vous aviez fait 45 points. 45 points, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 90% à peu près de effectiveness. Donc, on peut prédire. On dit, dans le sprint prochain, cette équipe, elle est toujours dans les prédictions. Elle est toujours au-dessus de 80% de ce qu'elle annonce, de ce qu'elle est capable de faire. Elle fournit toujours 90%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire soit de baisser quelque chose, soit de rajouter quelque chose. Idéalement, il faut toujours réussir au moins 80% de ce qu'on annonce, de ce sur quoi on s'engage. C'est ça qu'il faut. Quand tu as 90, ça veut dire que c'est très bien. 90%, il y a quand même de la fragilité. On ne va pas te rajouter du travail. On va rester sur ce même rythme et on va voir le planning, le PI planning prochain. Ça nous aide à mesurer la prédictabilité. Et aussi, ça va aider à d'autres éléments qui sont business.
Pourquoi d'autres éléments business? Bah, quand on sait ta productivité, on sait ta vélocité, on sait comment on peut mesurer ça, il y a des engagements qu'on ne prend pas ou il y a d'autres engagements supplémentaires qu'on va prendre. Le tableau, on dit, hein, c'est qu'il faut, n'importe quelle équipe doit être dans le vert, c'est-à-dire il doit être au-dessus de 80% et jusqu'à 100%. Mais il peut être au-dessus, hein, pas de problème. Mais la bonne valeur attendue, c'est entre 80 et 100%. Si vous êtes à 110, 120, on dit parfait. Dans ce cas-là, pour le prochain PI, on va vous rajouter du travail. Là, on va, si vous étiez engagé sur 50, vous avez réussi à en faire 60, parfait. 60, ça fait 120%. OK. Désormais, au PI planning prochain, vous n'allez plus vous engager sur 50, comme ça que c'est faible pour vous. On va vous demander de vous engager sur 60. Et 60, vous allez faire. On va mesurer au prochain événement du Inspect and Adapt. Voici ce que c'est. Premier élément. Ensuite, il y a, quand on a fini le système démo, on a fini de mesurer. Maintenant, on a une meilleure vue sur comment est-ce qu'on peut faire de la prédictabilité. Maintenant, on passe au problem solving. Je vous ai parlé dans le cours précédent là, du fameux 5P. Parce qu'il y a des problèmes qui sont advenus au cours de toutes ces itérations. Et durant toutes ces itérations, les problèmes qui sont advenus, elles ont été gérées au fur et à mesure, mais certaines reviennent plus ou moins, certaines reviennent plus souvent, certaines ont été insolvables. On va les mettre et on va les travailler. On va utiliser cette méthode-là, qui est c'est la méthode du squelette de, je crois que ça s'appelle Ishikawa, là. Ishikawa. Donc, c'est les 5 P. Avec le fameux squelette de poisson, enfin poisson, allez. Il y a différents types de causes. Donc, on va les répertorier. On va dire, OK, cette cause, elle est causée par, on va voir, quels gens ça touche. OK, est-ce que ça touche des outils? Est-ce que c'est le programme? Est-ce que ça vient des process? Est-ce que ça vient de l'environnement? On va faire 5 fois, on va itérer 5 fois pour connaître le... 5 fois, c'est bien, pour avoir un élément très profond de la cause. C'est un atelier qui se tient, ça dure une heure et on va creuser les choses en fonction de celui qui conduit le fameux workshop ou celle qui conduit le workshop. C'est dans la partie problem solving. Puis, une fois qu'on a ça, regardez bien là, on se dit, ah, la première cause, on avait énuméré beaucoup de choses. Après, on en énumère moins, jusqu'à ce qu'on en arrive à la cinquième itération. Quand on arrive à la cinquième itération, ah, on voit bien que tout le monde est d'accord que c'est cette cause-là. Quand c'est cette cause, on va y travailler. Avec ça, quand on a fini, tout le monde a fini de voter, tout le monde a vu les parties les plus importantes. Enfin, c'est pas les parties les plus importantes, les causes hyper profondes qui entraînent tel et tel problème. Ça va finaliser en fait sa fameuse cérémonie de Inspect and Adapt. Tout est marqué là dans cette configuration. Vous voyez bien, on a déjà couvert parmi les compétences qu'il faut au Technical Agility. Ici, on a couvert ça, Agile Product Delivery. On a dit comment est-ce qu'on fait pour monter une équipe. On a parlé de comment est-ce que l'équipe va travailler, c'est-à-dire c'est du Scrum. Ensuite, ils auront un backlog qui est un Kanban en fait. Ensuite, il y a les différents backlogs, mais aussi le backlog qui va servir du fameux PI planning, le premier qu'on va lancer, il est ici, vous voyez, en bleu, c'est le premier. Ensuite, on va lancer premier sprint, deuxième sprint, mais différents sprints, hein, tout court. Et jusqu'au dernier, la dernière itération, en fait, c'est l'itération avant le PI planning. Et voici l'événement dont on vient de parler, qui est l'Inspect and Adapt, c'est le IA. Inspect and Adapt, lui, bah, quand il se produit, on a tous les éléments. Et le lendemain, hop, on se lance dans un nouveau PI planning. Quand on finit PI planning, c'est rebelote encore pour 8 semaines ou 10 semaines, 12 semaines même si besoin. Et on va revenir encore et encore, c'est toujours ça. Donc, on va revenir encore à un prochain événement qui est Inspect Adapt, qui est le dernier événement, qui est le vrai dernier événement de l'amélioration de choses dans le programme incrément. C'est ça qui est la vie quotidienne en day-to-day des équipes. À l'intérieur, elles font leur programme, elles font leur cérémonie, une équipe de 5 à 11 personnes, et même daily. Et au niveau train, on a les événements, et parmi ces événements, les PO se synchronisent, les Scrum Masters se synchronisent, on fait régulièrement des démos, que ce soit en équipe, que ce soit au niveau train. Ensuite, on va consacrer le fameux IP Iteration, Innovation and Planning Iteration. Puis, quand on finit ça, le dernier événement de c'est pas le dernier, mais c'est le dernier événement avant le PI, dans ce fameux IP iteration,
C'est là qu'on va faire système des mots, on va faire la mesure quantitative et qualitative, et on va faire du problem solving avant de se lancer dans le PI. Bon, quand on a fini cet événement-là, on va lancer un PI planning. Ok, so, il y a un autre élément qui fait partie cette fois non plus ça fait partie des pratiques. C'est-à-dire que j'ai mentionné cette même image. Vous voyez ces fameux CE, CI, CD. Je ne vous ai pas encore expliqué, je ne vous ai pas encore appris ce que c'est. Depuis le début, on a parlé de plusieurs choses, les équipes, les compétences, customer centricity, fonder les équipes, comment faire un backlog, tout ça, je vous ai déjà montré comment on fait tout ça. Je vous ai déjà montré le fameux built-in quality. Et là, il faut maintenant qu'on avance sur un des éléments qui n'est pas du tout là. Je vais changer de couleur, vous allez voir, je mets en rouge. Vous voyez que je ne vous ai pas parlé de ce fameux cercle qui est là, voici son équivalent ici. Et je ne vous ai pas encore parlé du DevOps ou du DevSecOps. Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir maintenant dans la prochaine leçon. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon.